La déchéance du bureau de l'Assemblée nationale continue à susciter des réactions auxquelles il faut désormais joindre celles du collectif des compagnons de lutte de Tshen Tshisekedi wa Mulumba et des pionniers de l'UDPS. Nous avons été de tous les combats. Et alors, je suis fier aujourd'hui d'être encore survivant après tout ce qu'on a vécu comme vicissitude, tout ce qu'on a vécu comme problème. Fatih, il incarne, il a l'ADN que nous avons. C'est le même ADN. Lorsqu'il parle, lorsqu'il pose des actes, ça puise dans l'ADN qui a été conçu depuis la matrice de l'UDPS. Rassurez-vous, le leadership qu'il a, ça vient d'une histoire. Et une histoire qui a été mise en route par des vaillants fils de ce pays, qui se sont sacrifiés pour ça. Et ce qui vient de se passer à l'Assemblée, à la Chambre basse, démontre que ces Congolais, Congolaises et Congolais, ont eu des réserves de changer et de devenir des responsables, de se prendre en charge. Pour les courages dont elle a fait montre, la direction politique de l'IDPS a enregistré les félicitations et les encouragements du collectif. Mais, encore une fois, coup de chapeau. Ce sont des braves, les Kaboun, les Kabouya, sont sur nos pas. J'en suis fier. Ces vents de changement doivent pousser tout Congolais à s'impliquer dans ce combat démocratique jusqu'à la victoire finale.